Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose que l'on passe une demi-heure ensemble pour voir comment nous pouvons conquérir de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux professionnels. Donc, je suis Valérie Marc et je suis auteure aux éditions Dunod d'un ouvrage qui est sorti l'année dernière. Je développe mon activité grâce à LinkedIn, Viadeo et Twitter. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de comprendre ce qu'on entend par réseaux sociaux professionnels et pourquoi on va se concentrer là-dessus, en fait, dans quel contexte ils peuvent être intéressants. Donc, quels sont les médias sociaux à privilégier? Quand on regarde un petit peu un panorama en fait des médias sociaux, on va voir qu'on a différents types d'outils pour différents types d'usages. Donc en tant qu'entrepreneur, que créateur d'entreprise, en fait, on va voir quatre grands usages. On va voir des outils qu'on utilise pour entretenir et développer son réseau, des outils qu'on utilise pour s'informer, des outils que l'on utilise pour héberger ou bien trouver des contenus, découvrir des contenus qu'on va pouvoir réutiliser par ailleurs, et enfin des outils qu'on va utiliser pour communiquer, pour vendre, communiquer avec nos clients ou avec nos prospects. Et vous voyez qu'il y a certains logos qui se retrouvent à différents endroits. Le point important, c'est quand on est entrepreneur, l'outil pour entretenir et développer mon réseau professionnel, il y en a deux, c'est Viadeo et LinkedIn en priorité. Twitter, un outil, excellent outil d'information et de veille. En termes de contenu, vous avez les plateformes de partage de vidéos telles que YouTube et Dailymotion, mais également SlideShare. Si certains d'entre vous ne le connaissent pas, alors SlideShare, on dit que c'est le YouTube du PowerPoint. C'est une société qui appartient à LinkedIn. Et tout simplement parce que sur SlideShare, vous pouvez trouver des chaînes dans lesquelles vous allez pouvoir trouver des présentations PowerPoint qui sont visibles de tous. Donc c'est là aussi une mine d'informations en public, hein. Et puis, quand on regarde les outils pour communiquer et vendre, ben, ça va de Facebook à Instagram, Pinterest, en passant par LinkedIn, Viadeo, Twitter. Donc, on va voir tout de suite pourquoi on va se concentrer, en fait, aujourd'hui, dans quel contexte on va se concentrer sur LinkedIn, Viadeo et Twitter. Et pour mieux comprendre, en fait, ce focus, on va découvrir en fait une étude qui a été faite en fin d'année 2015 et qui était une étude à destination des décideurs en entreprise. Et globalement, on a demandé à des décideurs dans les entreprises de dire quelles étaient leurs sources d'information. Est-ce qu'ils continuaient à aller dans des salons professionnels pour s'informer, lire la presse professionnelle? Est-ce qu'ils étaient ou non sur les réseaux sociaux? Alors, je vous rassure tout de suite, ils continuent à aller sur les salons professionnels. Mais en plus de ça, vous aviez trois quarts des répondants qui ont déclaré utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux à des fins professionnelles plusieurs fois par semaine. Et quand on leur a demandé, en fait, quels étaient les réseaux sociaux qu'ils privilégiaient, 94% ont déclaré LinkedIn. Ensuite, on avait les blogs, puisque les blogs font partie en fait des médias sociaux. Viadeo à hauteur de 58% et Twitter à 44%. Facebook n'était utilisé que par 35% des 75% en fait. Donc c'est bien pour ça que dès que vous êtes sur une clientèle qui est une clientèle d'entreprise ou de professionnel, LinkedIn, Viadeo, Twitter vont être les outils que l'on va privilégier. Ce que l'on va faire dans un premier temps, et c'est là qu'on va passer le plus de temps en fait ensemble aujourd'hui, on va voir quelles sont les tactiques pour optimiser notre démarche sur LinkedIn et sur Viadeo. Et en fait, quand vous abordez LinkedIn et Viadeo pour développer votre business, la première chose à prendre en compte, c'est qu'il va falloir que vous posiez un socle. Et le socle, il est constitué de deux briques, en fait. D'une part, votre profil et d'autre part, les contacts que vous avez sur LinkedIn et Viadeo. Pourquoi? Parce que quand votre profil n'est ni fait ni à faire, vous n'êtes pas fier de votre profil, ben vous n'osez pas demander en fait d'autres professionnels ou des clients en contact. Et quand vous avez peu de contacts, vous verrez que l'outil n'est pas très utile, les outils sont pas très utiles. Donc déjà, on va poser le socle. Bien évidemment, le socle va pouvoir évoluer dans le temps en fonction de votre actualité. Il y a certains points du profil que vous allez faire évoluer et bien évidemment, des contacts, ben vous les enrichissez au quotidien au fil de vos rencontres professionnelles. Une fois que vous êtes à l'aise en fait avec votre socle, on va pouvoir passer en fait à des tactiques qui ramènent du business. D'une part, une première tactique, ça consiste à attirer à soi des prospects ou des projets ou des missions en projetant une expertise. En d'autres termes, il faut que vos contacts et les contacts de vos contacts il vous identifie clairement comme un expert dans un domaine particulier. Nous reviendrons en fait sur ces notions-là. Donc,
Autre brique, hein, attirer en projetant une expertise. Et la dernière brique, donc le quatrième volet en fait des actions de la démarche LinkedIn Viadeo, c'est toutes les tactiques qui consistent à proactivement aller chercher des prospects. Donc comment est-ce qu'on peut le faire et comment est-ce qu'on peut bien le faire? On va passer un petit peu de temps sur le profil, hein, comment l'on va construire en fait un profil efficace. Volontairement, vous verrez que dans cette partie, je vais plus insister sur LinkedIn que sur Viadeo. Tout simplement parce que LinkedIn vient complètement de changer son interface sur ordinateur. Il y a des points d'optimisation en fait qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Vous verrez également que les tactiques que je vais décrire pour LinkedIn sont des tactiques que vous pourrez reproduire sur Viadeo également en fait. Alors, le premier point qui est essentiel, souvent par abus de langage, on parle du profil LinkedIn comme d'un CV. En fait, ça n'a absolument rien d'un CV, ce profil LinkedIn. Et ce profil Viadeo, il faut beaucoup plus le voir comme un mini-site de présentation de votre offre. Et ça, c'est un point essentiel. Et donc, vous allez choisir les éléments qui apparaissent dans votre profil pour servir votre discours. L'autre chose qui est extrêmement importante quand on demande à nos interlocuteurs, clients ou prospects dans des univers B2B, donc en entreprise, quels sont les échanges qu'ils souhaitent avoir avec des vendeurs, puisque à un moment, il s'agit bien de vendre nos produits et nos services. Mais en fait, la réponse que l'on a, c'est autant s'adresser à un vendeur, ça ne les intéresse plus. En revanche, s'adresser à un professionnel qui a une expertise donnée, qui est véritablement un leader d'opinion sur un secteur ou sur une expertise, ça les intéresse parce qu'ils vont pouvoir avoir des informations en plus de juste un pitch, en d'autres termes. Donc, vous avez 92% des acheteurs B2B qui disent que lorsqu'ils interagissent avec des professionnels de la vente qu'ils considèrent comme des leaders d'opinion du secteur, là, ça ouvre les portes en fait. Donc, on va voir comment on va traduire ça sur notre profil. Et donc, pour travailler efficacement votre profil, ben, une démarche en trois temps. Premièrement, je définis les expertises sur lesquelles je souhaite me positionner. Ensuite, je traduis ces expertises en mots-clés. Et comme quand on fait de l'optimisation de référencement d'un site internet, si certains d'entre vous l'ont fait, ben, on va générer quelques mots-clés, en fait, que l'on va utiliser. Et dernier point, ces mots-clés, on va les prendre, on va émailler notre profil de ces mots-clés. Et nous n'allons pas hésiter à être, à répéter, en fait, de temps en temps, ces mots-clés. Donc, pas se contenter de les mettre à un seul endroit, en fait. Pour définir votre expertise, un moyen de le définir, parce que souvent on est court parce qu'on ne veut pas se priver de projets ou de missions que l'on pourrait pas avoir par ailleurs. Donc souvent on rentre quand on crée son entreprise, quand on est indépendant, quand on a une petite entreprise, on se dit je peux faire ça, mais je peux faire ça aussi et je sais faire ça parce que j'ai fait ça il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans en fait. Le problème, c'est quand vous avez, et souvent vous essayez de l'englober en fait sous un vocable commun. Donc vous allez dire, par exemple, je fais du conseil en marketing. Ce problème, c'est quand vous tapez conseil en marketing dans LinkedIn Viadeo, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui correspondent à cette expertise. Donc c'est certes une expertise, certes elle couvre beaucoup de champs, mais elle n'est pas du tout différenciante parce qu'il y a beaucoup trop de gens en fait qui se positionnent sur cette expertise. Donc, si vous voulez retravailler votre expertise, là, vous voyez à l'écran, il y a quatre pistes de réflexion, en fait, autour de l'expertise. D'une part, on peut spécifier l'expertise en spécifiant un secteur d'activité. Si je suis consultant en marketing ou je suis expert en marketing dans le domaine des transports, c'est pas du tout la même chose que si je suis dans le domaine de la grande consommation, les produits de grande consommation. Ensuite, vous pouvez définir une cible particulière, exemple les jeunes mamans, les seniors, les professionnels du BTP, etc., etc. Vous pouvez également définir, puisque dans chacun de nos domaines d'expertise, il y a un petit peu les mots-clés à la mode, aussi trouver en fait les mots-clés qui ont le vent en poupe à l'heure actuelle en fait. Donc là, vous avez des exemples. À un moment, marketing expérientiel était un bon mot-clé. Lead nurturing peut en être un autre, brand content peut en être un autre, inbound marketing également, à titre d'exemple. Et puis dans certains cas, préciser un secteur géographique peut être intéressant, juste pour et on verra comment on l'utilise. Alors ça, c'est valable dans tous les domaines. Hein. Je fais du conseil, du consultant en qualité. Pour le point des mots-clés précis, le lean manufacturing, à un moment, était un mot-clé qui était intéressant. Donc, vous avez réfléchi à vos expertises, vous déclinez tout ça en mots-clés et vous allez écrire ces mots-clés pour être sûr que vous les avez bien en tête. Hein. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en émailler votre profil, c'est-à-dire que vous allez prendre les mots-clés prioritaires et vous allez les positionner à des endroits stratégiques de votre profil.
Dans cette partie-là, je vais me concentrer sur le profil LinkedIn. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas regardé leur profil depuis quelques temps, je vous invite, je vous conseille vraiment à le faire, donc à le regarder à nouveau, puisque l'interface a complètement changé. Et vous verrez que des champs qui étaient extrêmement visibles auparavant le sont beaucoup moins maintenant, et à contrario, des champs qui n'étaient pas visibles sont beaucoup plus visibles maintenant. Donc, il est important, en fait, de regarder l'ensemble des champs qui apparaissent. Vous avez des zones prioritaires sur LinkedIn, le titre du profil, donc la ligne qui est juste en dessous de votre nom est extrêmement importante et pour les humains, ils la voient tout de suite et elle est répétée quand on te fait une demande de contact. Mon titre, le titre du profil est également rappelé. Ce titre est également extrêmement important pour le moteur de recherche de LinkedIn. Donc, quand vous avez des mots-clés dans ce titre, eh bien, vous avez plus de chances d'être trouvé sur des expertises particulières. Ensuite, la première ligne de l'encart en résumé va être importante également parce qu'elle est visible. En revanche, le reste ne l'est plus beaucoup. Il faut cliquer pour aller voir la suite, ce que peu de gens vont faire. Donc, bien travailler cette première ligne et ensuite travailler les titres des expériences puisque les expériences sont maintenant fermées. Donc, vous voyez les titres des 4 dernières expériences et pour avoir le détail, il faut là aussi cliquer. Et vous savez, sur Internet, dès qu'on doit cliquer, on va perdre en fait de la visibilité dans l'information qui est un petit peu cachée. Et enfin, tout ce qui est compétences, les 3 compétences les plus plébiscitées, en fait, que vous avez choisi de mettre en avant, vont être elles aussi extrêmement visibles. Alors, on va voir comment travailler chacun de ces champs. Le premier point également, vérifiez toujours pour LinkedIn comment votre profil, le rendu de votre profil sur l'appli mobile. Alors pourquoi ça? Parce que vous avez plus de 50% des utilisateurs de LinkedIn qui vont maintenant sur un téléphone mobile pour accéder aux informations. Donc ils vont avoir un rendez-vous, ils vont regarder votre profil sur LinkedIn, mais sur l'appli mobile. Donc vérifiez bien que les éléments prioritaires sont bien représentés sur votre téléphone mobile. Le titre, vous avez 2 options pour optimiser votre titre. Donc, on a vu que c'était important de rajouter des mots-clés, mais vous avez 2 postures en fait pour votre titre. Rappel, le titre peut faire jusqu'à 120 caractères sur LinkedIn, 80 sur Viadeo. Donc, ou bien vous donnez à votre titre un rendu métier. Donc, vous dites ce que vous faites, consultant en médias sociaux et en brand content, et puis je vais mettre quelques mots-clés derrière. Donc là, c'est mon métier. Ou bien vous exprimez votre titre en exprimant une proposition de valeur. J'aide les entreprises à construire des contenus efficaces en utilisant leurs insights, brand content, médias sociaux comme mots-clés rajoutés, en fait. D'accord. Alors, une petite remarque, ce qui peut être malin, c'est de mettre une barre de séparation quand vous séparez la partie principale de votre titre des mots-clés que vous voulez rajouter derrière. La zone en résumé, travailler les 40 premiers caractères. Donc, la zone en résumé sur LinkedIn maintenant, c'est une zone qui apparaît, qui est modifiable quand vous modifiez la partie carte de visite, la partie haute en fait, du profil. Donc, vous le verrez quand vous irez sur l'interface. Les 40 premiers caractères, vous êtes sûr qu'ils sont vus et sur PC. Et sur votre mobile. Sur PC, on voit 2 phrases, mais sur mobile, on voit vraiment que les 40 premiers caractères. Et là, vous avez des exemples. Le deuxième exemple est malin. Découvrez les bonnes strates LinkedIn. Donc, on crée un effet teasing de manière à ce que les gens aient envie de cliquer pour aller voir le détail en fait de l'expression du résumé. Vous avez une zone contact sur LinkedIn qui jusque-là était sous-estimée. Il faut vraiment l'utiliser, sous-utiliser. Il faut vraiment l'utiliser maintenant. Vous pouvez notamment en clair faire apparaître l'URL de votre site. Alors qu'auparavant, il fallait un petit peu la charger, cette zone contact. Donc, n'hésitez pas, notez-vous de bien la mettre à jour. Et enfin, réorganiser vos compétences. Dans le passé, sur LinkedIn, on pouvait, et certains d'entre nous l'avons, entre 15, 20 compétences. Maintenant, en clair, en accès direct sur LinkedIn, vous pouvez voir les 3 premières compétences. Réorganisez cette liste-là. Ne restez pas sur les compétences les plus votées, les plus validées, tout simplement parce que ça, c'est un reflet de l'historique de l'activité sur votre profil et pas forcément un reflet de vos priorités de communication. Là, vous avez un exemple d'une consultante LinkedIn Guru sur LinkedIn aux États-Unis. Et en fait, quand la nouvelle interface est apparue, elle a fait remonter dans ses compétences le mot New LinkedIn UI UX parce qu'elle savait qu'il y aurait de recherches là-dessus et que donc son profil serait bien positionné si elle remontait cette compétence et si elle demandait à ses contacts de la valider.
Je vais vous mettre, alors j'ai oublié de vous le dire en début de session, à la fin de la session, je vous donnerai un lien qui vous permettra de demander le support. Hein, donc je vous montre juste ce slide sur lequel vous avez un autre lien qui va être important, puisque dans LinkedIn, vous pouvez rajouter des symboles et ça permet un petit peu de rendre plus qualitatif notre profil. Donc vous aurez sur ce slide le lien vers l'article qui vous explique comment faire. Passons maintenant à vos contacts. Et ce qui se passe très souvent en fait au niveau des contacts, c'est que vous êtes quand vous êtes peu actif, vous êtes très réactif, donc vous décidez de qui vous acceptez ou qui vous n'acceptez pas parmi vos contacts et vous n'êtes pas assez proactif, vous ne demandez pas en contact les bonnes personnes. Alors, ce qui est important dans la partie réactive, c'est ne soyez pas trop restrictif. Donc, les tactiques qui consistaient dans le passé à dire, moi, je n'accepte que les gens que je connais et qui sont intéressants pour le développement de mon business maintenant, c'est beaucoup trop restrictif. Et donc, du coup, vous vous privez du réseau, d'une partie de votre réseau, en fait, des relations, d'une partie de vos relations. Donc, vous êtes trop refermé sur vous-même et vous n'ouvrez pas assez grand les portes, en fait. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à accepter des demandes de contact de personnes que vous ne connaissez pas, mais ou bien qui sont dans les mêmes cercles que vous, donc vous avez beaucoup de contacts en commun, ou bien ils ont simplement un profil intéressant. Dans vos demandes de contact, ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est d'adopter une logique d'écosystème. Donc le parallèle de ça dans la vraie vie, c'est être en contact avec les gens que vous allez rencontrer dans les événements professionnels qui sont les plus proches de votre expertise. En d'autres termes, le salon de référence de votre domaine d'expertise, vous allez y rencontrer dans la vraie vie des exposants qui proposent des services, des visiteurs qui peuvent être des clients, vous pouvez avoir des pairs également. Mais essayez de recréer ce même écosystème en fait parmi vos contacts LinkedIn. Et là, vous verrez que vous serez beaucoup plus visible auprès de personnes qui peuvent être intéressantes pour vous. Et ça va être important dans la stratégie d'attraction, ça en fait. Hein. N'oubliez pas une bonne demande de contact et une demande de contact que l'on va justifier. Donc, rajoutez systématiquement une note quand vous ne connaissez pas la personne que vous allez demander en contact. Et la note à rajouter est extrêmement utile également quand vous voulez reprendre contact avec des pertes de vue ou quand vous demandez en contact des gens que vous venez de rencontrer mais que vous connaissez peu. C'est un moyen en fait de continuer la relation et puis de rappeler en fait dans quelles circonstances on s'est rappelé, nous sommes rencontrés. Petite astuce LinkedIn, hein, donc dans la nouvelle version de LinkedIn, vous pouvez rajouter un email et un numéro de téléphone ainsi qu'une URL à votre demande de contact. Attention, tout le monde ne va pas lire en fait cette demande de contact. Hein. Donc il y a même des sources qui disent que 70% des mails ne sont pas ouverts. Ça me paraît très élevé, donc je vous livre le chiffre et à vous de voir si c'est le cas ou pas. Mais dans tous les cas, dites-vous, dans certains cas, ils ne le liront pas forcément. Donc n'hésitez pas à rappeler ensuite dans les échanges que vous aurez avec vos contacts. D'accord? Alors, ensuite, ce que l'on va voir ensemble, hein, maintenant qu'on a vu le profil et les contacts, on va passer à la partie qui nous ramène du business. Et nous allons voir ensemble comment nous pouvons attirer en fait des contacts à nous, des projets à nous, des missions à nous. Et la stratégie ici, la stratégie d'attraction, elle se base sur une action simple qui est régulièrement partagée, des articles ou des informations qui rappellent votre expertise, qui appuient votre expertise. Quand vous faites ça, dès que vous partagez l'information, enfin le partage d'informations que vous avez fait est poussé vers le fil d'actualité de vos contacts. D'accord? Et moi, c'est ce que j'appelle l'effet Pavlov, c'est au bout d'un moment, vos contacts vont associer votre nom à une expertise donnée. En plus, maintenant, sur LinkedIn comme sur Viadeo, ce que vous partagez apparaît en fait sur votre profil. Donc ça, c'est un peu l'effet bibliothèque, c'est-à-dire que quand les gens viennent sur votre profil, c'est comme quand on rentre dans le bureau de quelqu'un et qu'au mur, on voit 15 ouvrages sur le lean manufacturing ou sur le CRM. Ben, intuitivement, on se dit que cette personne doit être particulièrement calée en fait sur le sujet. C'est exactement ce que l'on va faire à partir de ce que l'on partage en fait sur notre profil. Donc pour le faire, c'est très simple. Dans beaucoup d'articles, vous avez un lien de partage sur LinkedIn. Donc il suffit de l'activer. Quand vous êtes sur Internet, vous activez le lien de partage sur LinkedIn et ça va partager automatiquement. Si ce lien de partage n'existe pas, mais il vous suffit de copier l'URL et d'aller la coller en fait sur votre page d'accueil dans la partie partager une nouvelle.
Okay. Alors évidemment, le Graal par rapport à ça, c'est de publier des articles de blog, puisque c'est possible dans LinkedIn. C'est ce qui va donner le plus de visibilité en fait à ce que vous avez partagé et à votre expertise. Bien évidemment, pour que cela fonctionne bien, notamment parce que vos contacts en sont notifiés, il faut quand même partager du contenu réellement intéressant, donc écrire un bon article. Il vaut mieux faire peu et bien que beaucoup et peu qualitatif, sans valeur ajoutée en fait. Donc là, on voit l'attraction, parce que concrètement, dans cette démarche-là, je vais petit à petit asseoir mon expertise, et comme les acheteurs et les interlocuteurs en entreprise recherchent des experts dans des domaines particuliers, ben, ils vont penser à moi, en fait. On va voir maintenant comment on peut passer en chasse en fait sur LinkedIn et sur Viadeo. Et la démarche de chasse de nouveaux clients, de prospects, elle se passe en trois étapes. Ce sont d'excellents outils pour identifier une cible. Donc, je me dis, je veux rentrer dans telle société et la personne à qui je veux parler, c'est le directeur marketing. Je n'ai pas son nom. Ben, le réflexe maintenant, c'est d'aller sur LinkedIn, sur Viadeo pour trouver, en fait, identifier le décideur. Ensuite, le profil extrêmement riche en informations utiles. Je vais exploiter ces informations et ensuite, je vais voir comment je rentre en contact. Je refais un focus sur LinkedIn. On a moins de champs de recherche qu'avant. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, enfin, ce qu'il faut absolument savoir dans LinkedIn, c'est qu'il est possible d'utiliser des caractères booléens. Donc, en d'autres termes, de complexifier la requête de manière à avoir les bons résultats, en fait. Donc, vous pouvez très bien utiliser le or, le and et le not pour avoir une requête plus fine. Donc le or, c'est je cherche des professionnels qui ont dans leur profil le mot-clé marketing et le mot-clé relations presse, ou bien ou le mot-clé relations presse, donc ou l'un ou l'autre. Le and, c'est ils ont les deux, et le not, c'est ils ont l'un mais pas l'autre, en fait. Quand vous mettez, comme sur Google, quand vous mettez entre guillemets, c'est l'expression exacte qui est recherchée. Si je n'ai pas relation presse entre guillemets, à un moment, LinkedIn va me ressortir tous les gens qui ont relation d'un côté et presse de l'autre, en fait. Donc, ça va être beaucoup moins précis. Une fois que j'ai identifié ma cible, je vais analyser son profil. Et dans son profil, il y a deux zones qu'il ne faut pas négliger. C'est les actualités qu'il a partagées, parce que ça va me donner vraiment des informations en fait sur ce qui l'intéresse à l'heure actuelle. Et également ses abonnements, les pages auxquelles il est abonné ou les groupes auxquels il est abonné. Et enfin, je vais m'approcher en fait de cette personne-là. Je peux tout à fait le faire à travers une demande de contact. Donc, je ne le connais pas, mais je vais le demander en contact. Pour augmenter les chances de voir votre demande de contact acceptée, bah, le mail gagnant, il a une formule en vous-genou. Vous vous intéressez à l'autre, donc vous allez vous adresser à cette personne en disant bah, j'ai vu dans votre participation à tel groupe LinkedIn que vous intéressiez en ce moment au CRM. Le jeu, vous pouvez pratiquement le mettre en silence, parce que de toute façon, il sera rappelé dans le titre. C'est pour ça que le titre du profil est extrêmement important. Et dans le nous, bah, vous expliquez ce que vous allez pouvoir faire ensemble. Alors, la formulation vous le nous n'est pas sans vous rappeler, en fait, les lettres de motivation. Elle vient de là, en fait. C'est exactement la même structure. Mais du coup, plutôt que d'avoir le discours habituel qui est je suis actuellement en charge de, ou je lance actuellement une offre de, qui est un message extrêmement égoïste, on ne s'intéresse pas à l'autre. Bah, là, on augmente les chances d'attirer l'attention de l'autre, parce qu'on est bien sur le vous, on part de. Alors, on rajoutera un S à vous, mentalement. Et enfin, une petite astuce LinkedIn, quand vous êtes membre d'un groupe, vous pouvez écrire à n'importe quel autre membre de ce groupe. Donc ça, il est bon de le savoir, en fait. Ça veut dire que dans LinkedIn, les groupes gagnants, les groupes qui peuvent être particulièrement intéressants pour vous quand vous êtes en développement de portefeuille, ben, ce sont les groupes dans lesquels vous avez des grappes de clients. Et Twitter dans tout cela? Eh bien, Twitter, très rapidement, vous pouvez avoir deux usages de Twitter. Un premier usage qui peut être extrêmement utile dans votre stratégie d'attraction sur LinkedIn, c'est juste utiliser Twitter pour trouver du contenu. Vous avez 70% en fait des journalistes français qui utilisent Twitter régulièrement et notamment pour partager les articles qu'ils ont publiés. Donc, Twitter, c'est une énorme source d'information. Et sachez que Twitter, vous pouvez tout à fait faire une recherche dans Twitter sans être inscrit sur Twitter. Donc, il vous suffit d'entrer l'URL twitter.com/search et vous retrouverez sur la fenêtre de recherche de Twitter. D'accord? Et ensuite, vous pourrez, quand vous identifiez des tweets qui contiennent des URL, vous allez lire l'article qui est pertinent.
Si vous voulez aller plus loin dans la démarche, alors ça peut être intéressant en chasse, notamment quand on a des clients, des prospects qui sont actifs sur Twitter. Vous avez vu, on en a moins en fait qui sont sur Twitter, mais parfois on tombe sur des tweetos forcenés. Et bien, quand ils sont très utilisateurs de Twitter, c'est un excellent outil pour se rapprocher d'eux. Parce que c'est l'outil qu'ils ont décidé de privilégier dans leur communication en fait. Et donc dans ce cadre-là, ben, vous avez deux outils à votre disposition, ou bien vous repérez les hashtags qui vont vous permettre d'identifier des prospects en fait, des projets brûlants, et où vous pouvez vous créer des listes de tweetos. Et des listes de tweetos, ça vous permet de regarder juste un petit bout de la lorgnette de Twitter et pas d'être sous le flot continu de tweets en fait que l'on peut avoir. On a vu beaucoup de tactiques aujourd'hui. Dans tous les points, ce qui est extrêmement important, c'est d'y aller petit à petit. En fait, c'est là que vous allez avoir une démarche gagnante. Alors, comme promis, vous voyez, je vais laisser à l'écran en fait le lien pour récupérer en fait la présentation et je vous propose d'ouvrir aux questions. Alors, nous avons une première question. Faut-il accepter toutes les demandes de contact sur LinkedIn? Non. Donc, vous pouvez tout à fait filtrer. Alors, je vous donne des exemples de postures que l'on peut avoir. Déjà, parmi les contacts que vous connaissez, déjà dans la vraie vie, les règles de bienséance, c'est quand même de les accepter. Parce que c'est un petit peu comme si quelqu'un vous tendait une carte de visite et vous la refusiez, en fait. Il y a des exceptions à ça. Vous pouvez très bien dire si parmi votre réseau, vous avez quelqu'un qui n'a pas la bonne démarche réseau, donc qui après va systématiquement aller un peu spammer tous vos contacts et se recommander d'eux, bon, c'est une personne, on sait que dans la vraie vie, il va faire ça, on ne va pas nécessairement l'accepter sur LinkedIn. Des concurrents, pas nécessairement non plus. Donc ça, c'est pour les contacts dans la vraie vie, que l'on connaît dans la vraie vie. Pour ceux que l'on ne connaît pas, en fait, il y a des cas de figure où il faut vraiment se poser la question. Ils ont un profil intéressant, acceptez-les. Donc, parce qu'ils peuvent être connectés à des gens qui peuvent être eux aussi intéressants. Vous ne savez pas ce qui va se produire après. Ils sont connectés à votre univers, à votre écosystème, même logique. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir filtrer en fait positivement certaines demandes. Gardez en tête que quand vous rejetez une demande, quand vous l'archivez, cette personne n'en est pas notifiée. Donc, de toute façon, et après, vous pouvez très bien avoir des regrets. Et une fois que vous avez accepté quelqu'un, le supprimer de vos contacts par la suite. Autre question, faut-il avoir plusieurs profils LinkedIn si on a plusieurs activités? Absolument pas. Donc ça, vraiment, ne le faites jamais. Et pourquoi il ne faut pas le faire? Tout simplement parce que c'est extrêmement perturbant pour vos contacts. Si vous essayez de maintenir, par exemple, deux profils, très concrètement, une fois que vous avez vos deux profils, vous allez rencontrer des gens dans la vraie vie, ils ne sauront pas sur quel profil vous demander, et ça va être extrêmement perturbant pour eux et ingérable pour vous, en fait, parce qu'en plus, ça vous fait deux espaces à animer. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'en général, on a une activité qui est prioritaire sur l'autre. Donc, dans le titre, si les deux activités sont absolument au même niveau, ben, vous devenez slasher. C'est-à-dire que vous faites ça et vous faites ça. Vous pouvez l'indiquer dans votre titre et après, dans le reste du profil, vous en priorisez une sur l'autre. Donc, ça, c'est une première option. Deuxième option, avant de faire ça, posez-vous la question de est-ce que LinkedIn est un bon endroit pour échanger avec mes prospects et mes clients des deux activités. Donc, je vous donne un exemple, si je fais du conseil en médias sociaux et je suis céramiste à côté, clairement, mes clients, ils sont sur LinkedIn pour conseil en médias sociaux. Pour l'activité de céramiste, c'est pas forcément sur LinkedIn que je vais trouver la majorité de mes clients. Et je peux utiliser Facebook pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, de prioriser un petit peu les activités. Mais surtout, ne créez pas de profil. Ça va vous apporter plus de problèmes que de réels bénéfices, en fait. Autre question. Certaines personnes disent que Viadeo est mort, qu'il ne sert plus à rien. Faut-il continuer à l'alimenter? Alors, Viadeo n'est pas mort. Il a été racheté par le Figaro Classified. Donc, l'outil continue à exister.
le profil Viadeo continue à être bien référencé, donc à minima, continuez à travailler, faites un report. Quand vous travaillez votre profil LinkedIn, bah, reportez les mêmes informations sur votre profil Viadeo, et comme ça, vous augmentez les chances, quand quelqu'un fait une recherche sur votre nom dans Google, de tomber et sur le profil LinkedIn et sur le profil Viadeo. Il y a une cohérence entre les deux, donc là, on est bien maillé. Et puis, dans certains cas, vous allez avoir des contacts qui sont eux aussi actifs sur Viadeo. La règle cardinale, en fait, sur les médias sociaux, c'est que je suis actif sur les médias sociaux sur lesquels je trouve les contacts qui m'intéressent. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mentionné Facebook pour certaines activités, en fait. Que pensez-vous de Snap? Donc, autre question, que pensez-vous de Snapchat? Que du bien. Donc, je pense beaucoup de bien de Snapchat, mais en revanche, ce n'est pas un outil qui va être à privilégier dans le cadre d'une activité quand je m'adresse, en fait, à une cible professionnelle, en fait. Donc, Snapchat peut être. Donc, Snapchat, juste pour prendre un petit peu de recul, donc c'est le réseau qui est très utilisé, en fait, donc historiquement plutôt par les adultes. Ça change, hein, la démographie, en fait, de Snapchat change. Il y a un vieillissement, entre guillemets, de la population sur Snapchat. On reste quand même plus jeune que sur Facebook, par exemple, voire même que sur Instagram. Sur Snapchat, on est dans l'instantanéité. Donc Snapchat, pour entretenir la relation avec mes clients, va pas être nécessairement le bon outil dans la majorité des cas. En revanche, à titre de curiosité, c'est un outil qui est extrêmement intéressant parce que c'est une logique de fonctionnement qui est complètement différente de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, en fait, en termes de réseaux sociaux. Même si Facebook, Instagram sont en train de copier, en fait, des fonctionnalités de Snapchat, mais néanmoins, c'est un outil qui va être intéressant. Et alors, il y a des petits trucs assez malins à faire en termes de génération de contenu sur Snapchat, c'est que vous pouvez très bien utiliser les filtres de Snapchat et ensuite réutiliser les photos, au même titre qu'Instagram d'ailleurs, réutiliser les photos dans vos autres médias. Donc c'est une touche beaucoup plus ludique, en fait, tout simplement. Dernière question, à quel moment est-il pertinent de s'abonner à une version payante de LinkedIn? Alors, il est pertinent de s'abonner à une version payante de n'importe quel média social à partir du moment où vous bloquez dans votre usage de l'outil. Donc, vous verrez que sur LinkedIn, on peut faire beaucoup de choses en étant membre gratuit, en fait, de LinkedIn. Donc, saturez bien la gratuité de LinkedIn, et quand vous êtes bloqué, ben, vous passez au payant. La version de payant que LinkedIn va pousser vers nous, c'est le Sales Navigator, c'est la Rolls, en fait, en termes d'abonnement. Il y a des versions intermédiaires. Sales Navigator est relativement coûteux, donc voyez aussi en fonction de vos usages ce que ça veut. Il y a des tableaux comparatifs, en fait, dans LinkedIn. Voyez ce que ça vous apporte avant de passer au pilote. Merci beaucoup.